On se retrouve pour une nouvelle partie de Go et Café. Donc on joue contre un deuxième Dan. On a donc noir et notre adversaire a 0,5 de commis, comme on est un Dan. On va commencer par un Hoshi. On a dit bonne partie, lui aussi, voilà, parfait. Il joue également un Hoshi en face, ok. Il joue en face, donc ça veut dire qu'il nous propose, il permet qu'on puisse faire un Fuseki croisé. Comme je joue un Hoshi, on va faire ça. Ça va un peu changer des débuts de partie. Ça va être sympa. Et il joue un Komuku. Ok. Donc là, ce qu'on peut observer directement, c'est qu'il y a deux bords assez intéressants, qui sont plus larges en fait. Parce que ceux-ci ont la distance classique. Mais ici, il y a une intersection de plus. Et ici aussi. Ce qui me donne envie, c'est que l'approche classique d'un Komuku, c'est quand même de ce côté. On peut approcher vers là. Hein. Mais c'est beaucoup plus classique de venir là, donc a priori c'est ce bord-là que je vais jouer. A voir maintenant si j'approche bas ou haut. On peut se dire haut, pourquoi? Parce que derrière j'ai un Hoshi en 4-4. Et sur ce côté-là, je suis en quatrième ligne quand on regarde sur ce côté. C'est la troisième ligne, elle est pour faire le bord ouest. Donc la quatrième ligne semble pas déconnante. En plus, ok, il garde le coin. Mais j'ai le Sente, si on joue le je sais qui est le plus classique, et son coin est tout à fait prenable, par exemple. Voilà. Nous, ça développe un bord assez naturellement. On joue quatrième ligne, un peu en troisième. Ça serait un peu bizarre vu ce qu'il y a derrière. J'ai dit qu'on était Sente, on est goté, pardon. Et il approche de ce côté, ok. C'est normal, comme je disais hier en stream, quand un Hoshi a une aile d'un côté, on va dire les ailes peuvent aller jusqu'à Q10 et K16, on évite de donner l'autre côté également. C'est comme un Shimari, on évite de donner une fois que tu as fait le coin, si tu prends une aile, on évite que de laisser l'autre quoi. Ça fait un développement trop intéressant. Donc ici, on va. On fait quoi? On peut penser. On peut penser. Si on pince et qu'il va dans le coin. Normalement, ça n'existe plus trop parce que quand il monte et que je monte, il descend à S17. Et en fait, il menace de passer au-dessous. Mais après, est-ce que c'est si grave? Parce qu'on développe quand même quelque chose d'intéressant en influence. Donc ça a l'air intéressant. Sinon, mes choix, c'est quoi? C'est reculer comme ça, mais c'est un peu bizarre de s'écraser. Et il y a le pip également. P17, il monte, je saute, mais je laisse une petite faiblesse en R17 toujours. Donc bon. Et le quatrième choix, c'est O16. O16, il vient en N16, je recule, il fait P18 ou le coin. Ça peut être intéressant, je pense. Comme j'ai déjà une pierre en. Ce coup-là, en général, on l'évite, sauf si on a une pierre en Q9. Q10, pardon. Hop. Et là, il a plusieurs choix. Hein. Et souvent, c'est le coin, hein, je dirais, quand même. Ce qu'il y a d'embêtant, s'il va dans le coin, en fait, j'ai quand même le P17 si je veux. Et quand il va vite de l'autre côté, en faisant l'atterri, en fait, j'ai le chichot. Donc, c'est chiant. Parce que c'est un Fuseki croisé. Il joue ici, ok. Ça, c'est le. Avant, ça se jouait un peu en mode tricky, on disait avant le Go moderne. Mais la réponse n'a pas changé. On joue au Sensen. Justement, le piège, c'est qu'on réponde à un des coups comme ça. Et en fait, on se fait avoir. On répond tout simplement le Sensen. Et là, il a le choix. Soit Itenuki. Parce que la coupe ne marche pas. Si on vient derrière, ok, ça attaque, mais il peut s'en sortir à peu près facilement. Par contre, c'est est-ce qu'il veut rajouter un coup pour développer? Parce qu'en soi, derrière, c'est comme lui, donc c'est ça qui est intéressant. Mais à sa place, ouais, pousser là, c'est intéressant. C'est la frontière de Demoyo. Je me demandais s'il pouvait approcher le coin ici.
Donc c'est bon parce que ça empêche un Shimari. Par contre, c'est difficile de développer ce bord sud, comme il est très écrasé ici. Toc. Ici, je pense que je vais Toby. En fait, si je Nobi tout simplement, là, il va Tenuki. Peut-être. Ouais. Si je Toby, en fait, ça menace de faire une trop bonne forme ici. Donc, il continuera une fois ici, et je protège. Et comme ça, ça garantit tous les points ici. Ça peut être intéressant. C'est pas petit. C'est pas petit. Hop. Ça protège un peu les formes un peu moches qu'il y a ici. D'accord. Est-ce qu'on doit répondre à ça? La connexion simple. Ça consolide tout. Il pourrait rajouter ça. Mais je suis santé parce que je laisserai, hein, c'est pas grave. Sinon, il y a l'Atari. Le problème, c'est qu'on voit, il répond tout simplement ici. On dit souvent, quand on peut faire Atari de deux côtés, il vaut mieux s'abstenir. Et un seul, il faut le faire. Parce qu'effectivement, je lui fais faire en angle vide. Le problème, c'est que j'ai, en soi, dans l'état actuel, un groupe avec ma pierre en Q18, un groupe avec ma pierre en R17, un groupe avec ma pierre en Q16, et un groupe avec ces deux pierres. Ils sont coupables ici encore avec d'autres groupes. Donc, pas très solide. Il faudrait que je revienne protéger par exemple cette pierre, tac. Mais on sait pas trop ce qui se passe avec cette coupe. Donc on va jouer très solide. Ça le laisse aller en R18 s'il veut. C'est un gros coup. Mais c'est un coup de Yossé, je dirais. Parce que je réponds pas. Et moi ça me laisse un gros coup de Yossé en Q18. Donc voilà, c'est... C'est kiff kiff. Là ouais, il faut jouer ailleurs. Donc il développe son propre côté, ok, c'est normal. Il est content pour l'instant parce qu'il développe un bord plus un coin. Donc il faut qu'on prenne un coin également. On va prendre ce coin. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut rajouter un couvert là. Et là, c'est là où je suis pas très content. Parce qu'il a, comme je dis, il a une sorte de Shimari. Il a déjà en quelque sorte une aile, même si c'est un peu loin. Toujours réduire ici. S'il joue par là, s'il a ce coup là, je pensais qu'il jouerait là d'ailleurs, parce qu'il est bien dans la partie en vrai. C'est un très bon développement quoi. C'est dur d'entrer brutalement. Je pense qu'il avait pas besoin de venir jusque là. Et... Il pouvait développer D10. Et ça semble déjà quoi, très correct. Et ça laisse ça en suspens en soi. C'est toujours, ça existe toujours quoi. Bon, on connecte nos pierres. Il joue ici, d'accord. Donc là, c'est Atari ici. Et on descend. Lui, il joue en C3 pour créer de la G. C'est quoi la réponse pour moi déjà? C'est ici. Je crois que j'ai droit d'aller en B5. Mais je devrais un jour revenir, de toute façon. En fait, quand je vais en B5, je vais plus le renforcer qu'autre chose, parce que B5, il saute en C7. Et si je continue, il m'arrête. En fait, il faudra que je fasse attention à mes libertés. Parce qu'il y a très rapidement l'Atari ici, je protège, et il va là. Et on... Ça sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu dangereux. Et comme là, il est pas très proche, j'ai pas envie de le renforcer inutilement, et justement que ça rapproche ses positions de ça, et que ça soit encore plus dur de rentrer. Donc on va reculer directement. C'est pas grave. Et là, lui, il pousse par là. Non, il descend peut-être une fois d'abord. Très souvent, quand on est mis en Atari sur la troisième ligne comme ça, on descend une fois et après on voit. Parce que ça créera de la G. De toute façon, l'adversaire devra ajouter un coup. Donc ici, si je pousse de ce côté, il va là. Je prends la pierre, mais il vient ici. Je dois rajouter et il ferme tout. Donc on va plutôt pousser de ce côté. Il va là, je réponds, il a 3 libertés. Tac, tac. Fermé, mais c'est pas santé au moins. Par contre, ça va lui donner un bon développement de ce côté. Et ce que je veux, c'est pouvoir sauter ici un moment pour détruire le potentiel au bord gauche.
Là, il faut vérifier. Tac, tac. Ça va, on a le droit. Il pousse une fois, une deuxième fois. Continue. Et peut-être une troisième, mais en vrai, je pense qu'il doit jouer des 10 maintenant. Je crois que c'est ça la suite. Les 10. Je sais pas. Parce que j'ai envie de jouer par ici. Mais on parle souvent du double année à la tête de deux pierres. Là. Si il a une pierre d'un côté, année c'est à la tête. Et qu'il rajoute un de l'autre côté, on dit que c'est une très mauvaise forme pour noir. Mais à la tête de trois pierres, c'est également mauvais. Si ici je Tenuki du coup en D10 par exemple. Il peut venir en J5. Quand je joue, il fait double année. Et en fait, voilà, ça écrase complètement la forme. Il y a déjà une petite faiblesse ici. Ça semble assez risqué. On va rajouter un coup. Ça semble assez risqué quand même. Et nous, au pire, voilà, ça pourra, on pourra jouer en M3 par exemple. Ça fait un territoire sympa ici. Plus celui-là, on a quand même des points. Hein. Mais voilà, il rajoute des 10, c'est logique. Bon. Comment on fait ça? C'est ça la question. Est-ce que je peux venir en C16? Il m'enferme dans le coin. Et je vis, hein. Mais il prend l'extérieur et il finit sente. Donc c'est peut-être un poil risqué. Donc ce qu'il faudrait envisager d'abord, c'est de réduire. Ce que je vois tout de suite, là, ça serait M12. Je peux même couper, hein, s'il avance, je joue là, il y a une gueule de tigre. Donc il y aurait ça, il jouerait le Kema ici, on pousse, il pousse. Mais du coup il ferait ça comme point quasiment sûr, après on jouerait là. Il m'enferme, on joue en D17, attention si on fait C17 on est mort. Avec B15 blanc, je vous laisse vérifier. Donc on est obligé de faire le année. Il descend là, ouais. Non, il doit aller là, et ça, il descend, et on va vivre. Tac, 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 voilà. Donc on peut vivre dans le coin. Il n'y a même pas de coup. Ce coup, c'est si je viens en C17 direct. Donc, sachant qu'ici, on peut réduire un petit peu. Donc ici, ça, on sait pas trop ce qu'il y a comme point. C'est ça qui est important. Là, il y a des points, hein, mais ça va. Donc c'est de ce côté qu'il faut réduire. Il va répondre. Il a 0,5 de commis, il faut prendre ça en compte aussi. Et en plus ici on peut peut-être développer quelque chose. Bon, c'est pas du tout fait mais... Ok. Ouais, donc il protège sa faiblesse ici. C'est logique. C'est compréhensible. Mais en vrai, il a pas répondu à M12 donc... Je sais pas. Effectivement, ici c'est gros du coup. Mais maintenant, je peux peut-être venir vers du G16. C'est moins risqué tout à l'heure. Hein. Imaginons, là, vous annulez cette pierre. Si je joue en G16, la sortie est compliquée. C'est du blanc ici. Il n'y a pas cette pierre d'aide, donc c'est du blanc là. Voilà, maintenant, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Je sais pas. Aussi jouer sur ce pipe un jour. Où il devra connecter si on a du renforcement par là. Donc on, ouais, je sais pas. On va réduire, hein, je pense. Un coup de réduction, c'est pas mal si on peut écraser ça. Ok. Donc ici, il avait le choix entre G17 et F16. Ok. On va reculer comme ça, se rapprocher de nos pierres. Et on va s'appuyer ici. S'il monte, on monte. S'il coupe, on fait atari, tac, et on protège. Et sa menace d'attaquer est quand même fortement ça, donc attention. S'il coupe direct, atari et chicho.
s'il reculerait, je pense. Et nous, on... Je sais pas. Comment on protège ça? Parce que si je protège juste assez simplement, assez sommairement, il peut toujours venir en L13 pour couper. Donc est-ce qu'il faudrait pas que je joue par ici? Ça menace vraiment ça, quoi. Et en même temps, on se connecte facilement parce qu'il tenterait peut-être pas la coupe. C'est un peu risqué. Parce qu'on saute de là et je sais pas. Je sais pas. Ok. Si je vais ici, ben, y a une forme dégoûtante. On va sauter là, hein. Ça semble pas mal. C'est la forme de la fleur. Là, ici, un petit Kema pour attaquer. On connaît pas encore la vie ici. Je sais pas, peut-être que j'aurais pas dû faire cette séquence, je sais pas. Ça m'a tiré le G16, mais est-ce que j'y gagne vraiment quelque chose? Dur à dire. Après, j'y gagne que... Dans un, si on avait fait Teohari, donc c'est inversé l'ordre des coups, si j'étais venu en directement en Kema ici, est-ce qu'il serait écrasé comme ça? Et j'approche, il s'écrase, je fais des coups de contact, il s'écrase, non. Donc ouais, ça a servi à quelque chose, il a quand même écrasé son potentiel ici. Donc maintenant, on peut venir jouer par ici, je pense. Ce qui menace toujours de faire C16. Enfin, l'objectif c'est oui bien sûr il va avoir ses points sûrement mais c'est qu'il fasse pas plus haut que la quatrième ligne un peu partout. Ok. C'est si important ça tout de suite? C'est du EC? Ah oui, j'y réponds, mais c'est bizarre. C'est pas... C'est marrant de jouer ça maintenant. Parce que ça va pas renforcer forcément, hein. Il y aura toujours des pipes ou n'importe quoi. On va jouer de ce côté. On répond. Et maintenant, alors j'hésite entre... J'hésite entre B12, donc B12 ici, et B10. B12, il peut pas vraiment faire à l'Atari, hein, puisque s'il fait Atari et qu'il capture la pierre, imaginons, il y a double Atari ici. S'il protège, on protège, mais il y a toujours un problème de coupe ici. Tac. Coupe, il va là. Je vais ici, il doit protéger. Je vais ici. Ici, on a assez de liberté. Et ensuite, il y a un... Il n'y a pas grand-chose, peut-être, en fait. Tac. Tac, tac. S'il vient ici, on a 3 libertés. On coupe. Atari, tac, tac. Il va là, bah si je mets Atari ici, tac, et on revient là, et lui il a 2 libertés, donc on le capture. Donc il sera obligé de protéger la capture, Atari ici, et on capture la pierre. Donc il y a des problèmes. Ici, là, c'est... Il y a des problèmes. Et celui-là, l'idée, c'est s'il protège de ce côté, on fait Atari et on capture. Donc c'est un peu la même idée que l'autre. Et s'il fait Atari par exemple ici... Il faut quand même qu'il protège sa forme, ensuite on va là. Ouais, ça a l'air plus compliqué le B10 en vrai. On va jouer ça.
tranquillement. J'ai pas réfléchi à C10. Bon, il y réfléchit pas non plus, heureusement, mais je crois que ça marchait moins pour moi, du coup, les suites. Ouais, j'ai un peu échoué là, je pense. Ouais, je sais pas exactement ce que ça donnait, on n'a pas lu, donc... Ouais, y a tellement de choses à lire, en fait, et on n'a pas beaucoup de temps. On a déjà plus que 9 minutes, là. Ouais. La partie est intéressante. Je pense que c'est un joueur français en face. Il s'appelle Lapin. Ouais, c'est un joueur français. Ouais. Ok. Donc là, on peut faire ça. Et prendre la pierre. Et finalement, ce mur-là, on sait pas trop ce que ça vaut. Bon, on va prendre la pierre. Là, je réfléchis à des bêtises. La gourmandise. On joue là. Il va connecter ses pierres. Et nous, on peut faire le pipe ici. Il connecte et... Et on vient faire de l'espace pour la vie, tout simplement. Et il y aura toujours la menace de sortir cette pierre-ci, en fait, un jour ou l'autre. Donc, normalement, il viendra la recapturer, j'aurai le synthé. Ok, donc il est plus gourmand que je pensais. Il faut que j'y réponde, hein. Ah. Si je joue ici, il peut pas monter hein, puisque on monte et c'est fini pour lui. Mais si je joue ici, il peut capturer la pierre. Je viens là. S'il va ici. Capture. Après, il faut qu'il capture la pierre lui-même. Et nous, on a un œil. On doit s'en aller, quoi. Est-ce qu'on peut s'en aller? Tac. Ah non, du coup, le pipe, ça marche plus trop, je pense. Bon, déjà, il faut qu'on se protège. Ça, c'est sûr. Mais il faut surtout faire attention. Est-ce qu'il reste un co ici? C17. Ouais, ça semble compliqué. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. J'ai réduit ici, là on envahit. On peut pas tout avoir. Alors ça va. On va ici. S'il tente de couper comme une brute, on va là, il coupe, il y a double attaque. Donc on peut sortir normalement. S'il tente celui-là, on va ici, il coupe. On fait attaque là, il va ici et double attaque. Ça va. Ça va. Attends, tac. Ouais, ça va. J'ai cru que je mettais en atterri ces 4 pierres. 5 ans de venir. Alors... Ok, il va faire ça. À la place de couper, il va faire le... La gueule de tigre ici, pour me déformer.
assurer sa propre vie à lui. Parce que à tout moment après, moi, une fois que je suis sorti, je peux faire des un coup comme A9. C'est moche, mais c'est pour dire, regarde ici, t'as pas d'œil. Attends, tac, capture, je vais là. Ouais. C'est pas beaucoup. Bon, ici déjà on connecte, il me déforme, hein, je fais un angle vide, mais on sort. On sort, on sort. Mais oui, ici la vie, est-ce qu'elle est sûre? Est-ce que je peux même jouer C7? Ce qui rendrait ça faux œil, parce qu'il peut pas. Il peut pas répondre à cet Atari en allant en D8, parce que c'est un. Il se suiciderait. Il aurait plus qu'une seule liberté en D7, après tac tac tac. Capturer. Elle est cool cette invasion. Et il reste F12 qui est quand même dangereux pour lui. Si on prend F12, ça fait une zone qui est intéressante avec les pierres qui ont été placées par là. Donc attention. Mais en même temps, il faut regarder ces pierres aussi. On aimerait bien rajouter un O3 à un moment. Et ouais, je crois qu'il y a vraiment plus co. Parce que normalement le co c'est je joue en C17, il va en C16, je monte en D17, il bloque, je vais en B16, il bloque, et après je fais B18, il met Atari sur la pierre du coup que j'ai pas vraiment protégé, et je fais le co. Le problème c'est que quand je vais en C17 au début initialement, il bloque, et quand je vais en D18, il peut sûrement se permettre de faire E18, plutôt que bloquer conventionnellement en E17 parce qu'il est ultra solide autour en fait, donc il peut peut-être se permettre. Il se permet aussi de m'attaquer. Toujours. On va sortir. Hein. On va sortir, mais attention à ne pas mourir après, mais bon, normalement ça devrait aller hein, pour lui. Est-ce que j'ai le droit de venir ici? C'est le point vital en quelque sorte, si j'avais une pierre ici. C'est le point vital de ces trois pierres. Quand il y a trois pierres comme ça, le point vital c'est ici. Donc c'est le coup qui m'attire le plus, mais il faut vérifier si ça marche. S'il pousse là, je vais là. Il coupe. Je vais ici. Il aurait plus que de liberté. Il sortirait comme ça. Ce sera un peu compliqué pour lui, je pense. Et s'il va là, je vais là. S'il va ici, il y a un chichou. Ok. Donc c'est vraiment cette coupe là. Je vais ici, il va là. Je coupe, il coupe. On va ici. Il a deux libertés, il sort là. Est-ce qu'on peut faire le guetta? Tac. Il monte, on va là, il bloque. Tac. Ça marche pas ça pour lui. S'il tente de sortir ici. Et là, il pourrait faire aucun Atari. Ouais, ça a l'air de bien marcher, ça. Cool. Cool, cool, cool. Du coup, il s'en va. Et au moins, ça sauve ses pierres en CNT. Hein. Et nous, on sort également. Hein. On connecte... Si je connecte comme ça, le problème, c'est qu'en touchant cette pierre, il a juste à monter. Et je dois encore ajouter un coup. Donc je l'ai renforcé. Donc c'est un peu chiant, mais je vais devoir jouer de ce côté, je pense. Ou ça, quoi. Mais encore une fois, ici, avec ça, il rajoute un coup ici. Il est sûr d'avoir sa connexion là. Et moi, je dois rajouter un coup. Donc autant faire le plus solide possible. Le plus loin de ça, parce que c'est ça. C'est pas grave si je renforce ça. C'est déjà vivant, très solide. Donc souvent, quand on doit choisir entre deux directions, tu joues du côté où l'adversaire est le plus fort, parce que de toute manière, il est justement, il est déjà fort. Ok, là il veut récupérer un peu, c'est normal. Hein. Il veut avoir ça, mais est-ce que ce sera suffisant maintenant? Ça c'est une question aussi. Parce que là, si je chope le timing de M3, il a ça en point et ça. Est-ce que c'est suffisant? Ok, donc il veut tout prendre. Il a un peu... je pense que ça l'a un peu énervé. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai l'impression que c'est pas mal. Parce qu'il vise clairement mes formes. Attention lui aussi aux libertés.
mais ça devrait aller. Ok. On va jouer ça. Et il va fermer. Et il a ça comme territoire. Et en fait, je veux le center là, pour pouvoir jouer le gros coup M3. Je sais pas, est-ce que je joue M3 ou est-ce que j'essaie de... D'une manière... Non, c'est compliqué, hein. Je pourrais pas fermer cette zone. Il y a trop de chemin en fait. Il faudrait que je ferme ici, mais que je ferme là également. Ça a pas l'air envisageable. M3, ça a l'air de faire pas mal de points. Bon, ici on va répondre, parce que c'est un peu dangereux. Il pousse là, ok. Bon, il prend tous ses petits santé, hein. Ok, pourquoi pas. Hein. C'est légitime. Mais dans sa logique, là, il irait en K14 quand même. Sinon, ses coups, on sait pas trop à quoi ils ont servi. Je pense qu'on va plonger comme ça. Pour commencer à construire le sud. Parce que si je le vais juste ici... Il peut aller en L3, continue, menacer de continuer à glisser, et finalement cette pierre-là, bah, elle met pas la pression sur ça, qui devrait vivre. Donc tout simplement jeu là, et là on voit que son L3 est beaucoup plus compliqué. Il pourrait aller ici, et c'est un peu plus gros déjà pour moi. Je peux même peut-être venir directement ici. Est-ce que c'est dangereux? Si je joue là, est-ce qu'il peut jouer un de ces deux coups par exemple? Ça semble un peu dangereux. Et j'ai plus beaucoup de temps, je vais pas trop réfléchir sur ça. Mais normalement la partie sera plus trop longue encore parce que c'est des gros territoires qu'on a construits. Donc ça peut aller très vite. Si la coupe ne marche pas. Si. Attends, ça, ça marche. Non, mais non, je suis attard ici, tac, et là. Ah, j'ai cru que j'avais mal lu tout à l'heure. Et il vient là, ok, il veut réduire ça. Logique. Ici, je pourrais jouer par là, mais bon, c'est complètement goûté. Cette pierre, elle connaîtra à gauche ou en bas. Ça me semble très gros quand même, hein, ça, de venir sauver ces pierres. Et en plus, elles pourront elles-mêmes gratter derrière. Là, ça mène à se faire J17, c'est horrible pour lui. Ça semble très gros quand même. Et s'il protège son territoire, je peux quand même revenir en... O7 qui semble quand même bien pour faire quelques points. Plus gros que M3 en tout cas. Parce qu'il a un M3, en fait il induit aucun coup, aucune suite pour noir incroyable je pense. Alors que O7 menacerait de faire juste derrière M8 et de fermer tout ça en territoire. Donc c'est quand même intéressant. Du coup comme ça, ok. Bah on va connecter. On veut juste détruire le plus de territoire possible ici. Oh juste, c'est bien. Est-ce que ça change la situation? Ou alors il avait juste peur pour son groupe? S'il joue ici, il y a toujours l'Atari et l'Ata qui en connecte. Et s'il joue là, on joue ici, il connecte et on connecte. Ça ne change pas la situation, ça protège ce groupe. Est-ce que ça change par rapport à ça? Il pousse ici, je recule, il pousse, je connecte. Et quand il coupe, je fais Atari là, on continue là et non, il se passe rien. Ok. Du coup... Du coup... Un coup par ici, hein, je pense. Ça menace quand même encore d'attaquer ça, hein, attention.
Si je joue là, mais il protège. J'essaie de regarder s'il n'y a pas moyen de refaire naître l'Adji du coin, en fait. En rajoutant G17 sans me faire capturer la pierre trop facilement, que je puisse descendre. Ça semble compliqué quand même. Donc, peut-être tout simplement descendre ici. S'il fait atterrir de ce côté, on connecte. Et s'il fait atterrir de ce côté, on descend. S'il connecte ici, capturer la pierre, mais est-ce qu'on ferait pas qu'un seul œil? La coupe ici ne forcément ne marche pas. Bon, en vrai, on va juste protéger, je pense. Je loupe peut-être des choses, mais on va être en biomi déjà. Ouais, je loupe peut-être des choses, mais bon. Comme ça. On a le Sente, c'est ça qui est intéressant aussi. On a pas mal réduit, il a pris aucune de pierre finalement, et nous on peut en jouer là. C'est pas mal. Pas mal. Ça fait quand même des points, ça. Il y a une dizaine de points ici, c'est pas rien. Et s'il peut glisser en L2, ça fait chier aussi, mais... Est-ce qu'on a le droit de faire ce coup moche ? Tac, Atari, tac, quand il pousse là, on va ici. Non, il pousserait là d'abord, tac. Tac, tac, tac. Bon, il y a l'air d'avoir rien du tout. On a liberté ici, on a liberté là. A voir, maintenant il jouera peut-être S6 quoi. C'est un gros yossé. Et ça menace un peu les formes. Ouais, S6 ça semble pas mal tout de suite. Il joue S6, je réponds S7. Il protège. Je protège ma forme et il vient en L2. Ça fait des belles réductions, je trouve. Je pense que c'est ce que je ferai. Et si j'essaye de me défendre ici après, s'il chope le R18, je protège en S18, il joue en S19, c'est pas mal pour lui. Donc ça, je dois défendre mon gros territoire. Et on défend. Et ensuite, il vient en L2. Et ça semble logique, en fait. C'est les grosses zones, quoi. Là, c'est, on regarde, hein. Ok, c'est pas mal. C'est troisième ligne, mais c'est vachement fermé troisième ligne. Ok, c'est fermé. En fait, là, quand on regarde, c'est ici où c'est vachement ouvert. Je pense qu'il pouvait faire L2 d'abord en fait. Ici, là, j'ai presque pas envie de répondre, c'est gros, c'est très très gros. Mais j'ai presque envie de jouer par là. Parce que je veux pas dire, suivre mon adversaire en disant ok c'est gros et ensuite il joue S19 et je réponds. Et il l'a eu quand même en quelque sorte. Et après il vient là. Et là c'est énorme. Faut pas que je le suive gentiment. Là, il prend un gros coup. Et en soi, voilà, quoi, c'est... Je peux jouer ailleurs. Bon, par là, également. La menace sortir ici, c'est énorme. C'est énorme. Si je joue ici maintenant, ça menace d'aller en G17, il protège, je vais en F18, s'il prend la pierre on a Atari ici, ah oui mais non il faudrait avoir capturé cette pierre pour que ça marche bien. On a des petits coups par ici, tac, il protège, on va là, il protège. Ou alors on joue là, tac, tac. On va refaire la même. Et le pipe. Il joue ici. Le problème c'est que ouais, on va plus perdre de points qu'autre chose.
plutôt celui-ci du coup, d'abord, parce que l'autre, ça lui laisse le choix de jouer ce Cassis également. Hop. À quoi ça sert tout ça? Ça ferme un peu notre territoire, lui-même aurait pu faire K5 en CNT. Ça change quand même 2-3 points. Si on menace à couper, on connaît pas encore le statut exact de ça, même si normalement sa vie. Mais en plus, si je coupe, il devra regarder le statut de ça, et en plus s'occuper de ses 3 pierres. Et... J'ai un peu moins de 70 points. Est-ce que je fais ça parce qu'il y a le coup? On capture, est-ce qu'il a... Ben, il a des menaces sur ça. Et moi, est-ce que j'ai vraiment des menaces ici en fait? Le problème, c'est qu'il faudrait couper. Ensuite, il fait ça, il a un œil en soi. Ah, c'est risqué. C'est risqué. Bon, on a un peu moins de 70 points, on va dire 65, et lui... Il mène d'une dizaine de points, zut. Et il mène large en fait. Ah. Il est tranquille. Zut. Ah, je pensais que j'étais mieux dans la partie. Ouais, bon, il est 2 dan, je suis 1 dan, on va dire 10 points, c'est logique, mais zut, ouais. Me dit est-ce qu'il faut que je réagisse, mais il fait Atari ici, Atari là, Atari tac, il connecte, non il fait d'abord Atari là tac, puis il connecte et nous on connecte, ou alors il coupe ici mais nous on va là. Ouais mais non du coup ça coupe pas vraiment, on va tenter hein, je suis en retard j'ai vu donc faut tenter des trucs. Il me propose de couper et de compliquer la situation. Franchement, il en avance une dizaine de points. À sa place, moi, j'aurais connecté ici et on n'en parle plus. Il y aurait ça. Ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ici, ça serait pour prendre ces pierres-là, en fait. Bon, et après j'en perds autant de points ici en fait. Bon. Bon, il fallait tenter un truc, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà ça, il faut connecter après, oui. Et voilà, maintenant il doit regarder cette vie. Sauf que j'ai pas le synthé. Donc il va pouvoir vivre en jouant ça. Zut. Et nous, ces pierres, est-ce que ça vaut la perte d'ici en fait? C'est ça le problème.
On jouerait Q4 qui menace quand même une coupe. Je sais pas. Ou alors on jouerait P4. S'il monte, tac. Non. Ah, ouais, y a... Je pense qu'on a fait n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Je peux pas aller ici, sinon il me coupe. Il connecte tous ses groupes. Mais moi, même si je coupe et qu'on prend ces pierres là, ok, mais du coup il vient me tuer. En plus, je peux même pas l'attaquer parce qu'il fait ses yeux ici. Ah ouais. Chaud. Dur, dur, dur. Là par contre, je vais là, il va ici, je capture, il coupe ici. Ce serait pour faire un gros Seki, mais il a tellement de liberté que le Seki, je suis pas sûr que ça existe vraiment. Ouais bon, en fait il fait ça et il dit oh, regarde, je suis vivant, j'ai deux yeux même ici, j'ai même pas besoin d'en faire là. Aïe aïe aïe. Donc ouais, la perte ici, ça vaut pas le coup de quelques points que je vais faire là. En fait, comme il a un œil ici et qu'il en aura sûrement un autre là, il peut même sauver ses pierres. Ouais, il peut sauver ses pierres et c'est fini. Aïe aïe aïe. S'il sauve ses pierres, je pense que j'abandonne. Parce que oui, je peux faire ça. Connect. Non, je capture et il y a un... C'est pas un œil ici, donc non, non, peut-être pas. Peut-être qu'il peut pas sauver ses pierres. Mais même. Ces trois pierres, ça vaut pas la perte ici. Ah, ça fait pas... Déjà, est-ce que ça vaut? Et en plus, j'étais en retard de 10 points. Est-ce que ça fait une quinzaine, une vingtaine de points? Non. Ouais, c'est ici où du coup j'ai mal géré. Pourtant, j'ai l'impression que la réduction plus l'invasion, c'était pas mal. Mais non, c'était beaucoup trop gros. J'aurais dû venir plus tôt sûrement. À quoi il réfléchit? Faut pas qu'il se prenne la tête, hein, c'est... Il protège ici. Je prends les pierres, hein, mais il en avance. Je vais ici. S'il va là, je vais là. S'il me met en attard ici, je vais ici. Je peux continuer là, je capture. Donc dans la zone, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. On a gagné 10 points, on va dire. On a perdu. Normalement, on fermait ici. Donc, on a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va peut-être gagner 1 point sur la séquence. Quoi. 1 point, c'est 1 point. Hein. Je sais pas à quoi il réfléchit. Il doit se demander s'il peut sauver ses pierres. Ça doit être ça. Alors en jouant tout simplement O4. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je joue L9. Il connecte. On capture en coup cette pierre. Pour dire, il n'y a pas d'œil ici. Ouais, non, c'est trop risqué en fait. Parce que est-ce qu'il y a vraiment la vie bien facilement ici? On joue ça.
Je peux jouer ça, non? Si je joue ça, et qu'il tente de capturer ma pierre, on coupe. Je peux pas faire Atari de ce côté, parce que ce serait sacrifier ses 4 pierres. Donc il fera Atari de ce côté, tac. Je vais peut-être aller là. Je vais ici. Il va là. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Par contre, là, il faut protéger. Parce que ça met Atari sur cette pierre tout en menaçant, donc c'est un peu chiant. Oui, c'est plutôt santé, oui. Il va faire ça, tac, et continuer. C'est normal, c'est son droit. Il y a cette pierre aussi qui va devenir grosse à prendre. Il m'entend parler, je pense. Ah, c'est gros, c'est très gros. Ah, ça me titille, il n'y a pas un truc quand je m'en parle là. Alors, on fait ça, tac, tac, on joue ici. Je tente un truc. Il joue là. Je fais Atari ici. Tac. Je vais là. Je connecte. Je capture. Ouais, non, ça met plus en Atari derrière. Non, c'est nul. Du coup, il faut bien porter S3 plutôt. Zut. Ouais, S3 c'était peut-être mieux du coup. Oh, je sais pas. Non, bah non, il aurait joué R3. R2. Non. Par contre, s'il connecte ici, je peux jouer S3 et là, on peut se poser des questions. Donc je pense qu'il doit répondre là, je fais Atari et on revient à la séquence de tout à l'heure. Ah non, même pas. En fait, le problème, c'est que en jouant là, il joue là. Maintenant, quand je ferai l'Atari, il pourra protéger sa pierre. Oh. On va Atari. Il faut connecter là, hein, tout simplement. Oh, il est gourmand. Il est gourmand. Mais ça marche pas son truc. Atari ici. Protège. Je vais là. Ça marche pas du tout son truc. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si je pouvais jouer R3, mais j'ai le décompte qui m'a un peu fait stresser là. En fait, quand je joue R3, j'ai l'impression que S2 vient régler tous les problèmes. Mais je suis pas sûr. Parce que ça, c'est fragile. Ouais, peut-être que je pouvais faire R3 et que je suis passé à côté d'une grosse occasion là. Ouais. Pas impossible. Bon, on prend ses pierres, hein, c'est déjà bien.
Bon. C'était gros ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien par là, hein, je pense. Un peu nul ça. Ce que je fais. Ce que je dois. Je suis goûté. Mais j'ai pas de temps en fait pour réfléchir. Si je joue là en fait. Je coupe, je fais ça. Non, même si je coupe directement. Tac. Je vais là, tac, je fais Atari, tac. Ah non, il manque la pierre ici. Il me manque une pierre ici pour pouvoir faire des dégâts dans ce truc. Parce qu'il y a S19 même, il rajoute un coup. Imaginons, il y a ici, ici, là, les deux endroits se compléter. Ah non, ça serait pas complété. Non, il y a rien. Il y a rien du tout. Oui, c'est SNT, c'est SNT. Pouf pouf pouf. C'est le seul endroit où je dois réfléchir vraiment. Bon, on va faire ça pour regagner 20 secondes. Alors. Et si je vais ici directement? Il connecte. Et si je monte, il va là. Je peux plus bouger en fait. Non, c'est nul. Il n'y a que cette coupe, mais on doit jouer ça hein, tout simplement. Il manque un coup. Maintenant, si je vais là. Et en fait, il peut pousser là, tac. Et aller là. Donc, il n'y a rien ici. Juste faire ça, il n'y a rien du tout. J'ai ça. J'ai que des gougotés et lui également. J'ai l'impression. On va plein de petits coups goûter, ouais. Allez. Oh non, j'ai perdu la période. Zut. De toute façon, ouais, c'est goûté partout, j'ai l'impression. Ça, c'est goûté pour nous deux. Ici, également. Voilà, tous les séquences-là, c'est beaucoup de damés, en fait. Ici aussi. Ça va pas être une fin de partie incroyable. Je suis pas sûr qu'on la commande derrière parce qu'on est déjà à 1 heure. C'est super long, désolé. Je sais que vous êtes assez peu à regarder jusqu'au bout. Tiens, dites-moi ceux qui sont là encore. Dites-moi en commentaire. Au revoir. Il pourrait jouer là et ça ferait 2 points quasiment sur. 1 point sûr en plus. Donc ça vaut autant que aller là. Peu importe, de toute façon. Il y a vraiment rien ici. Il n'y a pas d'un truc avec ça. Tenter le coup. Non, il me laissera rien tenter. C'est logique. Tac. Il pousse ici, je vais là. Et il peut faire ça. Si je fais ça, il va là. Ouais, il n'y a rien du tout.
Y a rien du tout. Tac, tac. C'est sérieux même. Est-ce que s'il joue ici plus tard, Atari? Non, y a rien. Ouais, bon, j'ai les deux damés ici, ça ou ça. Et je crois vraiment que ici y a rien. Hein. C'est de l'overplay. Est-ce que j'ai pas un point au lieu du coup? À retirer quelque part ou à faire quelque part. Je pense pas. Hein. Je crois que c'est fini. Ouais, y a rien. Y a rien du tout. Ça passe, je pense. Ah, il joue les damés. Ouais, c'est fini. Je jouais celui-là au cas où, mais c'est fini. Il me forçait à rajouter un coup ici, mais comme j'ai un œil là, en fait, ça mettra pas Atari. Donc, ça va. Hop. Je compte ses points. Oh. Oh, il compte pas les miens. Oh. On a fait un beau yossé. Ah, yes. C'est cool. On a fait un bon yossé. On gagne de 0,5. Yes. Elle fait plaisir celle-là parce que je joue pas très bien ces derniers temps. Et comme je le disais, et là gagner contre un deuxième Dan, c'est quand même cool. Sur une partie qui est pas bordélique, quoi, on va dire. Quoi. C'est une partie de go normale, propre à peu près, on va dire. Il y a sûrement des erreurs, hein, mais elle était assez intéressante, je trouve. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo et la partie, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt. À demain peut-être. Salut.